Allez, un autre tutoriel sur PowerPoint, toujours c'est le numéro 7. Je vais donc ouvrir dans les documents le PowerPoint que nous avons déjà commencé. Mon premier diaporama, ça vous connaissez la chose. Voilà, et nous allons donc aller sur la diapositive 4 qui est dans le volet à gauche. Je clique sur la diapositive 4 qui est bien évidemment vide. Toujours le ruban insertion et toujours dans le groupe illustration, nous avons donc déjà inséré des images, images du fichier image qui part, et nous allons aujourd'hui insérer des formes. Vous voyez ici formes. Je clique sur la petite flèche en bas et vous avez la possibilité de dessiner les formes que vous souhaitez. Je vais dessiner cette forme ici, sourire. Je clique sur sourire. Vous avez une petite croix lorsque vous êtes sur votre diapositive. Et on va dessiner la forme en cliquant avec le bouton gauche de la souris. Je reste appuyé et je fais glisser afin de dessiner ma forme comme je le veux. Et je lâche. Comme n'importe quel objet, vous pouvez détacher la forme avec la petite croix et faire glisser votre souris comme à l'endroit où vous souhaitez. Vous pouvez déformer même le sourire du personnage avec le petit triangle ici, hop, dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, on va le faire sourire. Vous pouvez évidemment faire une rotation, comme je vous l'ai déjà expliqué. Vous restez appuyé, vous faites glisser votre souris pour faire une rotation comme vous le souhaitez. Voilà notre première forme. Tout comme les autres objets, vous avez tout en haut outils de dessin et la possibilité, comme d'habitude, dans style de forme, de faire un remplissage déjà prédéfini ici ou faire un remplissage de forme à votre choix avec une couleur unie, des images, des dégradés ou pourquoi pas des textures. C'est une question de goût. Image, je vais faire un double clic sur image et cause que je vais ouvrir et je vais prendre par exemple l'image qui est ici avec le château et je dis insérer. L'image s'insère dans la forme. Mais je vais mettre moi une couleur une. Voilà. Vous pouvez faire le contour de la forme comme je vous l'ai déjà dit, noir. Plus ou moins épais, comme vous le souhaitez, ou en couleur, et faire, comme je vous l'ai déjà montré sur les autres objets, des effets sur la forme. À vous de choisir ce que vous souhaitez, les nombres, par exemple, ici. Voilà pour votre première forme. Je clique à côté, je vous remontre, insertion, forme. On choisit la forme que l'on souhaite mettre sur notre diapositive. On va prendre le petit soleil qui est ici. Vous avez une petite croix. Je reste appuyé sur la diapositive avec le bouton gauche de ma souris et je dessine ma forme sur la taille que je souhaite. Et je lâche. Outil de dessin, remplissage de forme. Je vais choisir du jaune pour un soleil, ça va soi. Le contour, je mets du orange et un effet sur ma forme que je souhaite plus ou moins valeur prédéfinie comme ceci par exemple. Pourquoi pas? Je peux déplacer ma forme, je peux lui faire une rotation, je reste appuyé, je fais glisser ma souris, je peux déformer un petit peu ma forme si je le souhaite, vous voyez. Je reste appuyé, je fais glisser ma souris pour déformer. Je vais le mettre par-dessus mon petit bonhomme. Je clique derrière, toujours insertion, forme. Je vais choisir une forme comme celle-ci par exemple et je dessine ma forme. Toujours pareil, outil de dessin, remplissage. Je vais mettre une image. Derrière cette forme, je vais prendre celle-ci et je dis insérer. L'image s'insère derrière. Je peux faire une rotation, bien évidemment. Je peux déplacer ma forme,
déformer avec le petit losange jaune. Je reste appuyé, je fais glisser pour déformer la flèche. Ou celui-ci pour la mettre plus étroite. C'est vous qui décidez. Et je la positionne à l'endroit où je veux. Je lui fais une rotation, etc. Je vous remontre, je clique derrière la diapositive, insertion, forme. Je vais mettre un petit nuage. Je reste appuyé sur le bouton gauche de ma souris. Je fais glisser et je dessine mon petit nuage que je vais positionner par ici. Je peux l'agrandir comme n'importe quelle image. Et outils de dessin, toujours pareil, contour de forme, je vais mettre du orange, effet sur la forme, je vais mettre une luminosité autour, du vert, du bleu, du orange, c'est vous qui décidez, je vais mettre du bleu. Et si l'on veut, bien évidemment, remplir sa forme avec, pourquoi pas, un dégradé de bleu ciel. Voilà, je peux l'agrandir. Si je souhaite bien évidemment mettre mon petit soleil devant le nuage, je clique sur le soleil et je dis outil de dessin format, je vais demander à le mettre en premier plan et il passe devant. Voilà pour les formes. On peut donc dessiner des formes, les déformer, les agrandir ou les réduire, y insérer des remplissages unis, des remplissages avec des images, des dégradés ou pourquoi pas des textures sans aucun souci. Les images, les formes sont donc indépendantes que je peux déplacer comme je le souhaite. Si je souhaite grouper deux formes, le soleil, je clique dessus, contrôle, le petit plus, je clique sur le nuage par exemple, et je souhaiterais les grouper toutes les deux. Je clique donc toujours sur l'outil dessin format et vers la droite, grouper ici mes deux formes qui sont une seule et unique image. Si je veux le dissocier, je clique sur grouper et dissocier. C'est vous qui voyez. Si je veux changer une forme, par exemple la flèche, je clique ici. Tout en gardant l'image derrière, je vais dire simplement sur outil de dessin format, modifier la forme ici. Je vais prendre le petit cœur et je clique sur le cœur. L'image que j'ai mis en fond reste dans le fond. Et je peux faire une petite rotation pour mettre le cœur dans ce sens-là, si je le souhaite. Je vais agrandir celle-ci. Je clique ici avec les deux flèches, je reste appuyé et j'agrandis ma forme. Je souhaiterais mettre mon petit cœur derrière, je clique sur le cœur et je le mets en arrière-plan. Voilà pour les formes. Je vais donc enregistrer mes modifications. Et je vais quitter PowerPoint pour vous dire à plus tard pour un autre petit tutoriel, toujours avec le menu insertion, mais on verra ça sur un autre tutoriel. À bientôt!